Journal du 4 mai 2018. On n'est pas en 2014, David, on est en 2018. Voilà. Aujourd'hui, je prends le train pour aller en Belgique. Demain, je dédicace à Louvain-la-Neuve au festival de bande dessinée Diagonale le matin et l'après. Pour aller en Belgique, c'est comme dans un aéroport, on doit passer des douanes avec, on check avec les valises, avec un truc au rayon X et tout ça. Sauf que il y a un chemin où il y a ça et un autre chemin où il n'y a rien. J'ai donc pris le chemin où il n'y a rien et donc personne ne m'a fouillé. Et donc ça veut dire que moi, sur ma gueule, on sait que je vais pas poser une bombe. C'est ça le truc ? En fait, on a pu acheter mes billets jusqu'à Bruxelles, mais on ne peut pas acheter des billets de TER, on va dire, belge. Du coup, je suis obligé d'acheter moi-même mes billets et je suis un petit peu perdu. Voilà. Je suis dans un hôtel en travaux, je suis le premier à dormir dans la chambre. C'est assez bizarre. C'est étrange. Un hôtel tout neuf. Ok. La chambre sent encore le plâtre. Mais j'ai un petit problème, c'est qu'il y a ça ici. En bas, ils ont pris ma carte bleue, ils ont dit si vous prenez des choses. C'est une boîte de chocolat avec du scotch. Je sais pas si j'ai le droit de la manger, si c'est offert ou... Oui, en fait, l'hôtel est là. Du coup, quand t'arrives, bah, tu trouves pas, tu passes à côté, tu continues, et tu dis que t'es dans un endroit chelou. Genre... Comme ça. Comme ça. Avec du sable par terre. Et là-bas, plus rien. Là-bas, y a plus rien, c'est fini. C'est vrai, il a raison, Trump, le monde est plat. La fin du monde est là-bas. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent de la fin du monde. Ce mois-ci, au cinéma de Louvain-la-Neuve. Drôle de petite bête, quoi. La guerre en Belgique. Bon, par contre, il n'y a pas à chier. Louvain-la-Neuve, c'est juste pas Charleroi du tout, quoi. C'est tellement beau. Bon, c'est en construction. C'est pour ça que ça s'appelle la neuve, mais c'est beau. On sait pas, on comprend pas. Tu comprends? Pardon? Tu comprends? Ont séduit particulièrement le jury et se voient nominés pour le prix de la meilleure série 2018. Airborne 44 de Philippe Jardinet chez Casterman. Jérôme Bloch d'Alain Dodier chez Dupuis. Katanga de Fabien Lurie et Sylvain Vallée chez Darko. Toutes mes félicitations à Alain Dodier, gagnant du prix de la meilleure série avec Jérôme Bloch. Il est tout seul. Qu'on apporte le prix. Mais le trophée vous est remis par la muse de la bande dessinée. Merci, ma muse. Album 2018, 5 branches de coton noir, Yves Sant et Steve Cuiseur chez Dupuis, Emma G. Wilford chez De Zidrou et Edith chez Soleil, et le perroquet d'Espé chez Glénat.
Voilà. Et alors, je pense qu'il va y avoir un lien. Donc, vous aurez deviné que donc, c'est 5 branches de coton noir qui l'emportent. Parce que vous voulez bien le téléphoner, messieurs. Donc, si j'ai bien compris, c'est la dernière édition du prix Diagonale. Et donc, on nous a invité Steve pour nous offrir le dernier prix. Ce qui est quand même un peu particulier, je ne sais pas comment il faut le prendre, mais en tout cas, ça nous fait bien plaisir. Le trophée du prix Diagonale, offert par la muse de la BD. Voilà, la première journée, l'inauguration du festival de Louvain-la-Neuve est terminée. C'était assez foufou, c'était cool, c'était vraiment cool. Et en plus, ça se termine vraiment bien, puisque Dave, le dessinateur, waouh, la casquette me fait des marques, le dessinateur des As de la Jungle, de la BD que je scénarise, m'a offert des plans, des originaux, que je vais pouvoir encadrer et mettre chez moi. Voilà. Son travail est ouf. Voilà. Voilà, et demain, c'est dédicace pendant toute la journée à Louvain-la-Neuve. C'est cool. Moi, je vous dis bonne nuit. Bonne nuit. Ce matin et cet après-midi, dédicace à Louvain-la-Neuve sur Grand Place. C'est pas la Grande Place, c'est Grand Place. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est que c'est une grande place. Donc, c'est une grande place qui s'appelle Grand Place. Voilà, c'est mon hôtel. Louvain-la-Neuve, ou comment vivre dans le passé. Dave, est-ce que tu aimes cette ville, Dave ? Oui, c'est très sympa. Dave, dessinateur des As de la Jungle et du Dave Book. Beaucoup de pognon avec le Dave Book. Ah oui, on parle de pognon. Oui, je suis un bon parti maintenant. Voilà, je suis dans un hôtel 4 étoiles. Je suis dans les toilettes. Voilà, bon, bah, il a ouvert aujourd'hui, donc bon, enfin, hier. Donc c'est normal que ce soit pas fini. Mais le problème, c'est que, bah, voilà le problème. Et ça, c'est un gros problème. Et ça aussi, c'est un gros problème. Voilà. Bon, je vais dans d'autres toilettes. J'ai voulu me laver les mains et j'ai eu méga peur parce que, en gros, j'ai fait... Comment ça marche? Voilà, je suis bien rentré à Paris. Merci la Belgique. Vous êtes ouf de m'avoir offert autant de cadeaux. Voilà. Casquette Sanseia et tout ça de chocolat. En plus, j'ai pris la boîte de l'hôtel. Merci à tous. Je reviendrai vous voir. Vous êtes trop cool. Et j'en ai aussi profité pour prendre un original à Dave de la BD qu'on a fait ensemble, des As de la Jungle, pour mon mur d'originaux. Voilà. Abonne-toi à ma chaîne, si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos. Si tu veux. Je force à rien. Je suis comme ça.